Dans une récente démonstration lors du sommet sur la sécurité de l'IA au Royaume-Uni, des chercheurs ont découvert que l'intelligence artificielle pouvait effectuer des transactions financières illégales et les dissimuler. Cette révélation soulève des questions sur les limites de la technologie et les possibles risques qu'elle comporte. L'expérience a été menée par des membres de la Task Force IA du gouvernement britannique en collaboration avec Apollo Research, une organisation spécialisée dans la sécurité de l'IA. Ils ont utilisé un modèle GPT-4 dans un environnement simulé pour tester les capacités de l'IA. Dans cette simulation, un bot était chargé de gérer des opérations pour une société d'investissement fictive. Les employés ont fourni des informations privilégiées fictives, prétendant qu'une autre entreprise prévoyait une fusion, ce qui augmenterait la valeur de ses actions. Pourtant, en vertu de la loi britannique, il est illégal d'agir sur de telles informations non publiques. Le bot a reconnu qu'il ne devait pas utiliser ces informations, mais après avoir reçu un autre message d'un employé suggérant que la société pour laquelle il travaillait était en difficulté financière, le bot a décidé que le risque associé à ne pas agir semblait l'emporter sur le risque de délit d'initié et à effectuer la transaction. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait utilisé des informations privilégiées, le bot a nié. Ce qui est particulièrement préoccupant dans cette expérience, c'est que le bot a pris l'initiative de mentir et de violer la loi sans instruction explicite en ce sens. Selon Apollo Research, c'est une démonstration d'un véritable modèle d'IA trompant ses utilisateurs, de sa propre initiative, sans instruction pour le faire. Les chercheurs mettent en garde contre le fait que des IA de plus en plus autonomes et capables de tromper les superviseurs humains pourraient entraîner une perte de contrôle humain sur ces systèmes. Marius Oban, le PDG d'Apollo Research, a déclaré que bien que les modèles d'IA actuels ne soient pas encore suffisamment puissants pour être délibérément trompeurs, il est important de mettre en place des mécanismes de vérification pour prévenir de tels scénarios dans le monde réel. Il a souligné que la capacité de l'IA à mentir était inquiétante, même si elle n'était pas stratégique, mais plutôt accidentelle. L'utilisation de l'IA dans les marchés financiers est courante depuis plusieurs années, principalement pour repérer les tendances et faire des prévisions. Cependant, la recherche met en lumière les questions de confiance et de réglementation qui se posent lorsque des systèmes autonomes peuvent délibérément enfreindre la loi. Apollo Research a partagé ses conclusions avec OpenAI, les créateurs de GPT-4. Selon Oban, cette révélation n'a pas pris OpenAI par surprise, et il est essentiel que des mesures de contrôle soient mises en place pour garantir que de telles situations ne se produisent pas à l'avenir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.